Welcome to the Math Computer. Please wait while the video loading. Salut à toutes et à tous, les amis, c'est MadKiller et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Dungeon Siege. Donc, d'accord. Ça sert donc à ça, oui, je me suis encore planté. Donc, on arrive à Stonebridge quasiment, donc vous voyez un petit peu que j'ai fait quelques morts avant de partir. Bon, il n'y avait rien dans le coffre. Donc on va continuer tranquillou, alors vous l'entendez peut-être pas forcément, mais je suis malade. Donc je vais pas énormément parler, je pense. Tant que j'aimerais bien ne pas tousser, et ça me titille un peu quand je suis malade comme ça. Donc nous voilà à Stonebridge. Oh, petite cinématique. Avec pour seul nom celui donné par un ami mourant, notre héros anéanti franchit les portes de Stonebridge, marqué par les combats. Qui aurait alors pu imaginer que l'arrivée d'un humble fermier allait changer à jamais l'avenir du royaume? Pas moi. On va dire bonjour aux gardes. J'imagine que les hordes de sauvages qui sont passées par ici la nuit dernière sont reparties sur la terre arable. Oui, sûrement, j'en ai aucune idée, mec. Ok, donc on apprend qu'en gros ils ont été attaqués assez récemment, et là il faut qu'on aille parler. Si vous êtes ici pour chercher de l'aide, n'y comptez pas trop. Ce que les Krugs n'ont pu emporter a été détruit ou brûlé. Ils ont même incendié Fossoyeuse, ma bonne vieille catapulte, alors qu'elle n'avait plus jeté la moindre pierre depuis tant d'années. Croyez-en l'expérience d'un vieil homme. Les gobelins ne sont pas étrangers à cette attaque de Krug. Ah, il faut quand même prévenir le gardien de Glacerne de ce qui s'est passé. Si vous vous en sentez capable, prenez-moi avec vous. Ok, j'accepte. Ah, ça fait plaisir de voir qu'il existe toujours de jeunes gens courageux. Topez là, l'ami. Oh oui. Ok, donc on a récupéré Giorn, qui était notre objectif, je vous signale. Hop, voilà. Giorn qui possède une putain de masse d'armes, une targe en métal, des bottes en cuir et une armure de cuir pour un, je crois. Peut-être qu'il peut porter déjà celle-là. Je crois qu'il a déjà 13. Il a 11 de force, pardon. Je vais laisser quand même la targe. Cette targe là, et on va faire quelques ventes de toute façon. Ah, je peux prendre le Merlin, ça y est. Je peux prendre le Merlin. Et ben, je vais le mettre tout de suite, voilà. Et je vais passer le... Ouais, je vais passer... Voilà, comme ceci. Bon, on va changer les armes un peu. Là, je suis en train de faire de l'optimisation, histoire que mes persos soient moins pourris. Ça, je vais le revendre. Il reste plus qu'un point de santé dans la potion de santé, sérieux. Qu'est-ce que je peux lui donner? Je peux rien lui donner de plus pour l'instant. Il a pas d'arc, pas de livre de sort, pas de... On va aller dans les magasins, même s'ils sont détruits pour l'instant, il y a quand même quelques magasins ouverts. Je sais plus où ils sont par contre. Hop. Et c'est du Microsoft et donc ça marche un peu comme un Windows pour les sélections. Je crois qu'elle est... Depuis que ces horribles Krugs ont commencé leur carnage, oh mais vous ne venez pas pour nous fournir en grains... je vais boire un coup. Excusez-moi. C'est soit ça, soit je vous explose les oreilles à coup de tout. Et l'eau, c'est bon pour la santé. Buvez de l'eau. Blablabla, les Krugs étant partis avec la grande majorité... Ah bon, bah c'est con, j'ai déjà fait ça. Ok, j'aime pas quand tu clignotes, ça me tape dans l'œil, je déteste ça. C'est quoi ça? L'âne et la jument. Alors, peut-être pouvoir s'acheter un cheval. Enfin, c'est une jument, je crois. Ou un âne, enfin, je sais plus.
Oh non, un chat, bande d'enculés. Ah non, c'est un chien, je m'en fous. Le mec. On va aller jeter un œil là-dedans, là. Ouais, vous m'en voulez pas si je rentre comme un voleur. Oh, de toute façon, ils sont déjà morts. Les ruines de la croix de Wehrin. Et oui, on dit bien Wehrin et pas Wesrin, comme je le disais quand j'étais plus jeune. Capitaine de la garde. Ouais, enfin, vous avez pas l'air en grande forme non plus. Blablabla, je vous laisserai lire ça, hein, je mettais en pause. Voilà. Hop, donc ça je jette. Parce que ça n'intéresse personne. Non, 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 non. Pourquoi les crocs se sont imaginés qu'ils trouvaient des artefacts magiques à Stonebridge? Ils ont détruit tout ce qui ressemblait pas à des objets magiques. Ok, donc t'as l'air un peu énervé, hein. Je peux comprendre puisqu'ils t'ont tout détruit, mais bon, quand même, quoi, un peu de calme. La forge, eh ben oui, on va jeter un œil à la forge. Bienvenue à la forge du marteau noir. Les Krugs nous ont presque tout volé, mais ce qu'il nous reste, vous ne le trouverez nulle part à meilleur prix. Que puis-je vous montrer aujourd'hui? Ah, c'est soit tu me vends un truc pas cher, soit tu fais faillite, mec, t'as le choix. Je veux juste voir tes armes pour l'instant, j'aime bien jeter un arc à l'autre, là. Ouais, je vais prendre, écoute que dalle. Je vais le donner à lui. Hop, voilà. Parce qu'il n'a pas d'arc. Et désolé, je vais regarder par rapport à ça. Voilà, donc il a un arc maintenant. Qu'est-ce qu'il peut porter? Parce que en fait, faut prendre différents persos pour voir quel perso peut porter quoi. Sinon c'est assez rapidement la galère. Et voyons voir, voyons voir, voyons voir. Bouclier. Un petit bouclier. De 2 de défense, donc ça c'est plutôt pour ces personnages là. Quoique, que je réfléchisse. Ouais, il vaudrait mieux l'acheter pour ce personnage là. Hop, je vais porter un petit bouclier. Au niveau des armures, voyons voir. Un cuir élimé, tu as un cuir déchiré qui fait 16. Cuir de mage, ça fait 10. Cuir épais, ça fait 10. Ça fait 16 le cuir déchiré, c'est celui que tu as déjà. 11, 3, ça c'est pour les mages. La musique est très belle. Un cabassé. Toi tu as un cabassé de cuir, ok. Moi j'ai quoi là sur la tête? J'ai un cabassé à visière tout pourrave. Je vais me remplacer par un cabassé de cuir, voilà. Des fois qu'il y a d'autres trucs cachés derrière. Il y a des gants de cuir. J'ai pas encore la force pour avoir autre chose, donc je vais mettre des gants. Voilà, je vais mettre celui-là, celui-là, et celui-là, voilà. Niveau des armes, on va continuer à regarder un peu ce qu'il y a. Glaive seul, grande vitesse d'attaque de 8 à 15, ça fait quand même vachement de... Ah, attendez... Quand même beaucoup de différence, 8-15, je vais voir les armes encore. Donc glaive seul, non. Désolé. C'était soit ça, soit pour les tout dans la tronche, et là ça va être beaucoup mieux. Donc au niveau des armures, donc j'ai fait le tour, des boucliers, est-ce qu'il y en a d'autres?
petit bouclier, il y en a un autre effectivement, et j'ai un bouclier, une targe en métal rouillé. Ouais, la targe en métal rouillé coûte plus cher, non, elle coûte pareil en plus. Bon, autant la prendre, ce sera fait. Que dire de plus? T'as rien de plus qui m'intéresse. J'ai encore pas mal de thunes. Je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vend des trucs plus intéressants. Merci de votre visite. Revenez vite. Et ouais, sans moi, t'as plus de clients. Alors. On en fait vraiment trop sur les Krugs. D'accord. Ils ont provoqué une belle pagaille. Mais inutile d'aller bien loin. La cupidité est leur seule motivation. Ils voulaient juste des armes de qualité, tout comme vous. Au fait, mon fils John devrait pouvoir remplacer l'équipement que vous avez perdu. Voyez avec lui à l'intérieur. J'aime bien le mec qui juge qu'on a perdu de l'équipement, quoi. Et le mec, je suis encore habillé, j'ai encore une arme dans la main, je peux te péter la gueule quand je veux, y'a pas de problème. Non, faut juste que je trouve quelqu'un qui, je sais pas, une arboriste, un truc comme ça, qui fait des potions. Et surtout un cheval, ça peut être trop mal. Ah ouais, le perchoir des temps. On va d'abord aller voir pour les chevaux. Là. Owen. Les Krugs. Si vous voulez mon avis, 320. On aurait dû les chasser. Allez, voilà, donc du coup j'ai un nouveau personnage dans mon truc, hein, qui est tout pourri par ailleurs. Hop là, voilà. Je repasse en tête de groupe. Ensuite. Du coup maintenant j'ai une mule, parce que regardez, la mule c'est quand même assez pratique, hein, quand vous voyez qu'il y a un personnage, deux personnages et environ trois personnages ennemis, ce qui n'est pas négligeable. Ah d'accord, la plage là qu'ils veulent que je nettoie. Okay, effectivement il y a encore des trucs. Ah attends, toi tu vas y aller comme ça, moi j'y vais comme ça mec. Toi aussi d'ailleurs. Et je vais y aller moi comme ça. Hop, ça va faire un beau mélange de trucs dégueulasses pourris. Ok, donc nettoyer la plage, c'était un de mes objectifs et donc je suis parti pour le faire. Évidemment je ne vais pas aller dans l'eau, hein. Faut imaginer qu'on est au Moyen-Âge, nager c'est pas pour tout le monde. Même si une brasse paraît évident à être faite ou un truc comme ça. Ah voilà, donc. On va se rapprocher un peu parce que là en général. Non, y'a pas de scroll. Ok. Donc, on a tous récupéré quelque chose. Je vais tout mettre ensemble. Voilà. C'est d'ailleurs de hop, rangement. Toi aussi. Donc là, on est bon. Ah, c'est dommage qu'ils aient fermé le serveur du joueur. Il aura prend cher, j'ai beau lui mettre de la défense et tout. Elle prend cher. Tac 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 tac. Je ferai un tour à la taverne plus tard. Il faut d'abord que je trouve vraiment quelqu'un qui fasse des potions et tout comme ça. Parce que je sens que bientôt. Pas des potions mais des sorts en fait surtout. Ah bah là-dedans ça va être pas mal. Ça ressemble à une église. Oui, j'imagine qu'il doit y avoir des sorts là-dedans. Allez, je t'en ai. Temple de la passion, putain. Le feu divin est en toi, mon enfant. Ta destinée te porte peut-être à faire de grandes choses. Mais commençons par parer au plus pressé. Si tu as besoin de potions. Divers, oui, on va avoir divers. Il faut un livre de sang, effectivement, pour monsieur, là, ici. Hop, voilà, un livre de sort avec des sorts de merde, parce que éventuellement il est pourri. Parchemin de résurrection. Alors, les parchemins de résurrection et tout, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, en fait, à l'époque, comment ça marchait. Et en fait, c'est tout con. Voilà, donc, je vais en prendre quelques-uns, puisque je vais en mettre, genre, deux par perso. C'est un peu cher, hein, les. Mais bon. Voilà.
Je sais plus si ça va dans les livres ou pas, ça. Si a priori ça y va. Et en fait, ce sont des parchemins qui s'utilisent en une fois, un peu comme à la Diablo, si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Hop. Marteau. Ça te fera déjà ça. Qu'est-ce que je peux te mettre d'autre comme sort? Parce que les sorts, c'est important, faut toujours qu'il y en ait un quelque part, ou qu'un des personnages en ait. Et faut prendre aussi en compte le fait qu'un personnage peut crever. Là, je suis dans les sorts trop puissants, en fait. Je vais prendre ça. Main curative. Oh, bien ça. Voilà. Et puis point chargé, voilà, t'auras tout ça. Hop, il porte le vieux. Et ma curative, je vais la prendre à tout le monde. Ça sera pas ça de perdu. Habit rude, ajoute 3 en armure, nécessite 16 en intelligence, c'est de la merde. Voilà, hop, rangement. Et puis, qu'est-ce que t'as des potions? Potion de rajeunissement, ça c'est bien ça, les potions de rajeunissement. T'as pas autre chose, hein, t'as que des potions comme ça, ok. Et bah écoute, je vais te prendre des potions de rajeunissement, parce que j'en ai sûrement besoin pas longtemps. Je vais toutes les prendre chez toi ce personnage là, et puis après je ferai... Ah d'accord, ce se régénère tout seul. C'est genre la meuf, elle fabrique des potions en même temps. Ah oui, toi t'as pas de potion du tout pour le coup, alors attends. Ah mais j'ai plus de thunes. Je suis en train de capter. C'est ce qui coûte le plus cher. Donc vous voyez un peu ce que je viens de faire. Je viens de me dépenser toute ma thune là-dedans. Ce que je vais faire du coup là, c'est lui foutre voilà, cette potion-là sur lui. Et puis une ou deux potions parce que ça mange pas de pain. Voilà. J'aurais plutôt pensé à mettre ça comme ça. C'est pas vrai. Voilà, donc du coup, tout le monde a ses potions tranquillou. Voilà. T'as tout de même beaucoup, toi. Peut-être enfiler une à Guillaume. Voilà, et puis j'ai plus de thunes, donc. Que la bénédiction d'Azuna et le défenseur t'accompagne. Bon. Désolé d'être si peu présentable. J'ai reçu une flèche la nuit dernière, mais ce n'est qu'une égratigne. Oh, ta gueule. 1050 balles, je peux pas te... Oui, vous allez voir que les compagnons s'achètent, en fait. Hein. Au même titre que la mule, d'ailleurs. La mule qui est un peu conne, donc il faut toujours la sélectionner, sinon elle vous suit plus. Et si vous êtes un peu loin, voilà, elle se grise parce que la mule est conne. N'oubliez jamais ça. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus la mule hein, qu'il faut prendre, c'est les torrents. Hein. Faut se mettre à jour. Alors... Désolé, mais depuis partez s'il le faut. Ta gueule. Mais sachez que le... Bonjour, je suis Zed le sorcier. Zed, déjà, si t'es Zed, t'es à la fin de l'alphabet. Hein. Je veux pas dire, mais moi, je commence par le A et le triple A, s'il vous plaît. Alors, toi là. Ah. Donc ça, ça va être A... West... La croix de Wyrin. Et non pas Wyrin comme j'allais dire. Forcément un truc à fouiller là-dedans. Possible. Bah non. Bon bah on va redescendre. On va redescendre et puis on va se diriger vers la sortie de la ville puisque on a plus que ça à faire et qu'on a fait tous les achats qu'il nous fallait. Donc évidemment, toi, je suis en train d'y penser là. Petit gars. Laisse faire de feu et puis main curative, hein. Tu veux pas te mettre parchemin de résurrection, ce serait inutile et contre-productif. Hop. Alors j'aime beaucoup Guillorn. Mais vous allez voir plus tard qu'il y a des personnages qui sont beaucoup plus sympas que lui. Enfin, ça c'est l'entrée, si je me trompe pas. Oui, c'est l'entrée. Ça. Non, c'est pas l'entrée, c'est sorti. L'entrée est fermée, je crois. Sinon, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Hein. Ville de Glacerne, ville de Glitterdelve.
Je crois que c'est Glitterdale, le personnage le plus sympa que j'ai pu trouver au début du jeu. Qui coûtera rien, évidemment. Faut essayer de récupérer les compagnons qui sont vraiment dans la dèche, parce que eux, ils coûtent rien. Par contre, ceux qu'on paye, en général, ils ont une bonne capacité. C'est au choix, quoi. Enregistrement automatique, voilà. Donc, on a combien de temps de jeu? Je vais vous dire ça tout de suite. On est à 19 minutes, donc on va s'arrêter. On va s'arrêter ici, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Hein. Et puis, je vous dis à plus tard. Allez, ciao.